まだ知らない影を映す Salut tout le monde, c'est Père Gamer, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 4 de notre aventure sur Assassin's Creed 3 sur Wii U. Donc on s'était arrêté où on avait fini l'histoire avec, comment il s'appelait, Ethan. Avec Ethan et là on est avec Connor, donc le petit garçon. Donc c'est parti. Et on doit suivre les villageois. Donc j'espère que vous allez bien. Donc là pour l'instant on va les suivre. Si vous entendez le ventilateur, c'est absolument normal les amis. Donc là on se retrouve dans son village. Hi. Un petit village là. Petit village, bien sympathique. Oui, on sortira pas de la vallée, pas de problème. Zora Gohadu. Is it as a dotten? Aska Degeni Asangayeri. Aska Dewat Nyawe. Ah, vous êtes sérieux, je dois chercher. Bon allez, c'est parti. Trace de pas. Ok. Du coup, les pistes sont réduites. Trouver tous les enfants dans le temps imparti. Waouh, là, ça va être chaud. Là, pour le coup, ça va être tendu. Vous ne donnez pas un truc aussi dur dès le début. Hein. Ah bah là, on l'a. Hein. Et en voilà un. Trop de difficultés et en voilà un. Bon, il faudrait enlever la piste de recherche, mais pour ça il faut trouver des indices. Bon, le premier, on va pas se mentir, était un peu trop facile, hein. J'aime bien tant mieux. Ah, pas mal ça, la vision deck, ça peut m'aider, hein. Ah, encore des traces de pas, c'est à dire que je m'en rapproche. Ok, c'est pas loin d'ici. Ah ah. Là. Merde. Ah, j'ai fait une erreur. Ah, je savais pas que c'était possible de faire des erreurs. J'aurais dû regarder mes objectifs. Dommage.
Bon, bah au moins, c'est que c'est pas là. Et mince, 2 minutes 30, je trouve pas cet enfant. Là-bas, il y a un indice. Ça doit être pour l'autre enfant, mais au moins, il y aura un indice en moins, mec à dire. Ouais, c'est pour le gros cercle. Bon, du coup, les deux cercles sont petits. Là, peut-être. Non. Là, alors. Ça, sérieux. C'était à deux doigts, quoi. Bon, maintenant, une 45. Allez, je peux le faire. Je peux trouver le dernier. Non. Ah, il y a un autre indice là-bas. J'ai l'impression qu'il va pas m'aider ce indice-ci. Ouais, intéressant, il m'a rien aidé. Super intéressant. Ah, peut-être là. J'ai réussi, les amis. Bon, j'ai réussi, mais j'ai foiré un objectif. Bon, disons 50-50, ça va. Ça va, c'est pas catastrophique. Mais bon, ça, si je me concentre bien et si je refais la mission, c'est facile. Hein. C'est pas dur. Ah, j'ai hâte de voir ça. Alors pourquoi je me casse? Oscar, Degeni, Ansa, Gayerdi, Wes, Yaya, et enfin je me planche. Oh, ça va être chaud. Merde, le temps s'écoule. Bon, ça va, j'ai du temps. Je vais choisir une planque, mais vraiment au fond. Celle-là, elle me paraît bien. Hein. Mais il y avait déjà quelqu'un, donc ça m'embête un peu. Le temps s'enlève vite. Le temps passe. Bon. Ah putain, je vais me faire douiller. Vous sentez ça? Bon, allez, peut-être. Allez, ici. On tente. Ah, sérieux? Connard. Ah, mais vous êtes sérieux? Bon, allez, vous faites chier, là, comme par hasard. Les deux, ils sont là, quoi. Ah, ça me dégoûte, ça. Allez, c'est bon, sur 30 cachettes, ils ont pris ces deux-là. Ah, il faut pas déconner non plus. Ah, putain, l'erreur. Vas-y. Mais... bon, allez. Finalement, je vais garder ma cachette au fond. Ah, ils abusent, ça. C'est quoi de cette non-chance, quoi? C'était les meilleures cachettes, ils abusent. Bon, dans ce cas, s'ils sont tous les deux là-bas, bah tant mieux, bah moi je vais aller complètement à l'opposé alors. Je me fous tout là-bas. Voilà, ici c'est bien. Parfait. Ah!
Tu me sembles familier. Où ai-je bien pu te voir ? Ce n'est pas très gentil. Lâche-moi ! Écoutez-moi ça ! Il parle notre langue. Ça va. Il a du cran ! Nous avons des questions à poser à tes anciens. Dis-nous où est ton village, petit, et tu pourras partir. Mieux vaut lui obéir, petit. Je pourrais te briser le cou, tu sais. Il me suffit d'appuyer un peu. Crac ! Je souffle la misérable petite flamme qui t'anime. Tu n'es rien. Un grain de poussière. Toi et toute ton espèce. Vous vivez comme des bêtes, sans vous soucier de comment tourne le monde. Les moins ignorants savent reconnaître l'avenir. Ils se jettent à nos pieds pour implorer grâce. Mais pas toi, semble-t-il. Non. Tu t'accroches misérablement à tes traditions. Trop stupide pour comprendre ton erreur. Et je sais me montrer clément. Alors je vais t'épargner. Afin que tu portes ces mots à ton peuple. Plus vite ils nous donneront ce que nous sommes venus chercher, plus vite vous retrouverez votre pitoyable et vaine existence. Un marché équitable, n'est-ce pas ? Quel est ton nom ? Charles Lee. Pourquoi veux-tu savoir ? Pour te retrouver. J'en meurs d'impatience. Ah, et connard! Alors ça, les gars, vous allez me le payer. Tiens, bah ça, c'est une route. Finalement, ça reste des Templiers, les amis. Putain, j'ai cru pendant une seule seconde que les Templiers étaient gentils. Et ben non! Trois épisodes, j'ai joué avec eux. Bizarre, il n'y a pas eu Ethan. Yeah oh! Ah, les enflures! Ah, ils sont sérieux! Ah, je vais me les faire. Merde, ma mère. Ah putain, les pauvres. Purée. Ah, les pauvres. Putain, le village, quoi. Allez, vas-y. Donc oui, je vous ai spoil le nom de l'enfant, il s'appelle Connor. Enfin, il a un nom indien, mais son nom pour que nous on comprenne, c'est Connor. Vite. Aïe, je vais claquer. Ça, je suis presque arrivé. S'il vous plaît. Issa ! Ah putain, les blessés. Le de la guerre, donc. Quand nous voyons. La guerre. Putain, comment je fais ? Ah, voilà, par là. Parfait. Bon, une fois que ça me sourit. Aïe. Je vais te sauver, merde. Putain. C'est trop lourd. C'est pas de step. Je ne sais pas si tu es un homme.
Ah, le pauvre. C'est dégueulasse, je suis sûr que c'est Charlie et les autres. Vous allez me le payer, les mecs. Nathan, il est peut-être mort. On l'a pas vu. Ça, je vous rappelle qu'il y a au moins 10 ans qui sont passés, hein, je pense. 9 ans plus tard. Oh, Naga, Issa. Ah bah là il s'est passé beaucoup de temps là. Plume et arbre, c'est parti. Wow. C'est parti. Alors là, il va un défi, les amis, un des défis les plus durs. Hop. Bon, grâce à, avec Connor, on peut monter des arbres. Ça, c'est plutôt cool. C'est parti, sans toucher le sol. Et ne toucher ni l'eau, ni le sol. Voilà la mission, l'une des missions les plus dures de la série pour le coup. Vous avez un petit assortiment, ça c'est vraiment le plus dur des assassins. Hop. Hop. Par contre là ça va être marrant. Hein. Bon les cailloux c'est pas compté comme le sol, hein. Je vous rassure. Putain j'ai de la chance. Mais il a bloqué. Il s'est cassé la gueule, non? Oh le bolos. Oh là 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 là. T'as touché l'eau, t'as perdu. C'est parti, on reprend. Bon, du coup, il reste plus que moi. Oh purée, deux fois que j'ai eu de la chance sur cet arbre. J'aurais jamais mis faire avec cet arbre. Oh non, t'es nirata. Zozi on dore. Oh ni osi isere zaha set satsege doga ya chasa datrege. Nexi oh na yawa ne doga antjada ne dano gihie. Bon allez, il va falloir que je récupère la plume d'aigle. C'est parti. On y croit.
Le défi est toujours acquis, est toujours en cours, il me semble. Bien. Ah, quand même, là, on se retrouve devant plus tard. Bon, vous avez remarqué qu'Assassin's Creed 3 est plutôt long à démarrer. Hein. Je vous le dis, c'est vrai que c'est un assassin qui est plutôt très très long à démarrer. Cela, on n'a clairement pas notre vrai objectif. On n'est toujours pas dans ce que j'appelle le vrai jeu, même si ça fait partie du jeu. Hop. Bon, comment faire? Peut-être, ouais, si je prends de la hauteur, ça peut peut-être le faire. Ah merde, j'ai perdu. Ah putain, c'était une fausse route. Bon bah c'est pas grave. Tant pis. Je touchais le sol, les amis. Normalement, je l'ai pas vraiment touché, mais bon. Si le jeu le dit, c'est pas grave. Ce que je veux, moi, c'est avancer. Ah voilà, d'accord, ok. Ah les roches, je pouvais grimper aux roches, oui, carrément. Officier de roches, ah oui, purée. Ah j'avais pas fait gaffe. Ah et en plus j'y étais quoi, purée, je suis deg. Quel con. Ah c'est dommage, ça c'est con ça. Comment faire une mission pour rien? Waouh. Oula. Ça ouais. Nahoda, wa gani gohroni. Yatte wa kweni wa gwegun yang ni haraunge. Ga ga der hard de zinyora gwegun seroroge. Ga de ga isere ya de ga yeri de nigun yang ni ya. Tont kor hardege. De ga nu ga de na otsa. Oh, il faut que j'aille chercher 3 plumes. Waouh, c'est lourd. Waouh, c'est chiant. Ça me botte vraiment pas de le faire. Ouah non. On va aller rejoindre. Vraiment la flemme de faire cette lune. Vraiment une immense flemme. Mais c'est sympa comme quête annexe. Hein. C'est clair que ça peut être sympa. Bon, j'ai pas très envie de le faire. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, c'est la chasse. Ouais, pas X pour le placer au sol. Ah, un collier, ok. Parfait. Ok, des pièges vraiment qui vont pas me servir dans le jeu, juste pour ça. Ok,
Un cerf dans la zone. Ok, c'est parti. On va le défoncer, le cerf. Alors. Ok, c'est parti, faut que je le tue en manuque. Ok, il n'y en a pas. Chouf. Heureusement que c'est pas en fait. C'est parti, allons vérifier les pièges. S'ils ont tué des... deux lapins, on va voir. S'ils ont tué des lapins ou un truc comme ça. Ouais, sympa. Yama. Parfait. Du lièvre. Chasser plus d'un animal, ouais. Combiner la part, oh. Faut que je collecte 5 viandes, quoi. Waouh. Ah là là, c'est pas intéressant ces missions là, mais bon, pas grave. Bon spy, ça va aller. J'ai raté. Merde. Bon. Mais c'est quoi cette merde? Je suis pas bon. Tiens. Bon, je fais pas les quêtes, hein, je vous le dis les amis. Je ne fais pas les quêtes annexes dans ça, j'ai pas envie de les faire. Je pense que ça m'intéresse, mais vraiment pas. Bon allez, c'est pas possible, mais il sert à rien Stark. Ah, je suis déçu. Yes. Ça fait le deuxième animal. Tiens, réduit la zone de recherche. Pas trop moisant, hein. C'est cool. Il est tout là-bas, waouh. Il est trop loin. Malheureusement. Non, un petit peu de hauteur. J'aimerais bien un qui soit immobile, comme ça je pourrais le tuer. Là, celui-là c'est possible. Bim, ça c'est cool.
Et ça fait mon troisième, si je me trompe pas. Ouais, ça fait mon troisième, il m'en reste deux. Et on sera bon. Fourrure de renard, cool. Et c'était un cerf. Ok, ok. Et bim! Bon, j'en ai réussi un au moins. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, maintenant, il m'en reste un. Pourquoi pas ça? Dommage, on pouvait passer avant cette thématique-là. Peut-être plus tard. On n'est pas obligé à chaque fois de se la coltiner. Tiens. Parfait. Et c'est fait. Ouais, il est temps de rentrer. C'est là la chasse. J'en ai un peu marre. C'est la chasse. C'est pas terrible la chasse. Je préfère quand même la chasse de Assassin's Creed 4. Mais bon, c'est. Dans les deux cas, c'est nul. Oh! Ah, purée, un ours carrément! Ouais! Dommage, on peut pas le tuer! Ça aurait fait de la bonne viande! Chou! Guahua gets honey, gay. Let's get yaga. Yawa. I'm the Jatandi owner. I always see Ronaja, Hoti Mkurayanda, ne. Dinojera ya ezo de Tiena. Next yato deot. Oh, niot. Let Dokawa hagari honya. Che? Il y a beaucoup de viande. Bon, c'est cool, le village a été quand même reconstruit, ça fait plaisir. Bien, ça fait combien de temps? Ça fait 32 minutes, on va pas continuer. J'aimerais bien sortir du village avant la fin de l'épisode, ça serait vraiment cool. Je pense que c'est possible. Après, je ne sais plus quand ça s'arrête. Oh, la doyenne! Un souvenir! C'est parti! Ayetia se donise gen un drunhuza. Arahaja di doga ne gando, ayetirihune yukiswas, saha odisas tasereyanda ne. Yungwa dorazine to na yadewa yer hage. Yungwa yat do darhe un zino gayera, ne deyeti swat neda.
danu ne dogato no de waire yot deru ayun gwa jonha se onu jera ji toni ori hawana ne ai de wada den hodu da tiga kan ho ha nale bienvenue gardien es-tu un esprit tu peux m'appeler ainsi où suis-je Tu es toujours au même endroit. Si tu veux savoir ce que tu vois, on l'appelle le Nexus. Grâce à lui, les probabilités sont calculées afin que le bon chemin soit choisi. Quel chemin ? Le tien. Oh, impressionnant ! La pomme d'Éden ! Wow ! Suis-moi. Qu'est-ce que tu m'as fait ? J'ai choisi une forme familière à ta culture, afin de faciliter la navigation. Nous attendons ta venue depuis des millénaires. Toi, tu dois lui donner le dernier fragment, afin qu'il puisse ouvrir la porte. Je ne comprends pas. C'est inutile. Je sais que mes mots te font souffrir. Mais telle n'est pas mon intention. Tu es important, mon enfant. Bien plus que tu ne peux l'imaginer. En ce moment, des forces s'assemblent en secret pour s'emparer de vos terres. Si elles y parviennent, le sanctuaire sera violé. C'est magnifique. Ta lignée est spéciale. Le passé, le présent, l'avenir. Beaucoup sont reliés à toi. Des hommes qui ont changé le monde. D'autres qui vont le changer. Et toi aussi, tu le feras. Je t'ai fait venir ici afin de te révéler ton devoir. Tu dois protéger le sanctuaire de ceux qui veulent défaire la trame de notre œuvre. Quel sanctuaire ? Quelle œuvre ? Conserver ta trajectoire actuelle aurait des conséquences néfastes. Un accès prématuré déstabilisera la région. Ton village et ton peuple seront détruits. Ok. Que dois-je faire ? Tu vas te rendre auprès d'un homme qui saura t'entraîner. Recherche le symbole. Tu te poses beaucoup de questions. Seul le temps y répondra. Pour l'instant, tu dois obéir. Plus tard, tu m'aimeras. Un souvenir terminé. Ok, bon bah là... Notre dessin va se mettre en marche. Ça va, j'ai fait aucune collision, décidément. Je suis pas mal. Ah, nous allons être Desmond. Comme ça, la pomme d'Éden était depuis dans mon village. Donc je comprends maintenant pourquoi mon village a été détruit alors. Tout s'explique. Je n'en servais à rien, mais eux ils le savaient en fait, qu'il y avait la pomme d'Éden ici. Ils l'ont pas trouvée, décidément. Ça va. La chance est de mon côté, on n'a qu'à dire. Mais bon, peut-être plus pour très longtemps.
Radun hagerdum, got nue. Got nue nis at gatun, tiga gari wayerunitstum. Adun het wagen at dun. Wat garo di rungwe daya jadatka. Hagen at dun hase, o nio di akande. Datune tiga runungwe. Izi na gahanda di tunas. Gari was siwaka deriander. Anu izi ki oni. Arahaja diza detni gorizo, ne dosa seri wayena. Nungwar haratstone ayede wa dunhunjanuna. Nexti da sheri de nitnise. De ot danu haje on hunjage danu ya taondo ayungwa da se tunhage. Yaka atakits kodage danu agader harda dene ayede wa wanda ne. Wa kunya to dari sigi. O wadu era osete. O nujera di desaderi wa deniani. Aze gonya tak kweni daguri hua deni. Yahasa giga. Asa tsari jina hoda ze saks dit kada kunegas. To nuoe dagat kahtone gari hua yra nitsto. Ne egi garun gwera hawi oh yashnena di niyo di zatni staha washa gosnena. Yama. Seri asa doga, nekti gets hani sozi ezo zar hare. Was se zakane gari huayro nitsu, sa taha tsari. Souvenir synchronisé, séquence 4 terminée. Et un chapitre de clos, les amis. Bien. Maintenant, notre aventure va vraiment débuter, là, les amis. Donc, ma quête, c'est de trouver ce fameux symbole. Quitter mon foyer a été plus difficile que prévu. Je pensais que ce voyage allait m'emplir de fierté, d'un sentiment de réussite. Mais ce qui m'avait poussé à quitter ma tribu s'est vite évanoui. Chassé par les questions et les doutes. Avais-je agi trop vite? Avais-je commis une erreur? Les gens du village pensaient que j'avais toujours voulu partir, que ma décision était réfléchie. Mais ils se trompaient. Non. Ce choix n'a jamais été le mien. J'ai été poussé à partir, obligé. Car si je n'agissais pas, qui d'autre le ferait? Eh ouais, d'autres le feront. Quand même, il quitte son village, hein. Franchement, c'est ce qu'on appelle prendre son indépendance. Mais bon, cette fois, c'est pour un but noble. On doit sauver notre village et protéger la porte parce que nous sommes le gardien, les amis. Nous sommes le gardien de la pomme d'Éden. Et comme nous a dit l'esprit, donc on connaît son nom, si je me trompe pas. Enfin. C'est un esprit qu'on connaît depuis les anciens Saint-Scud, donc connaissons. Ça doit être, je crois que ça s'appelle Junon ou un autre nom. Il me semble que c'est Junon, c'est un autre nom. Le nom de cet esprit. Mais c'est la gardienne de la pomme d'Éden, si vous préférez. C'est elle qui veille sur la pomme d'Éden. Enfin, qui transmet la pomme d'Éden à une personne. Ou un peuple. En gros, là, elle la transfère à notre peuple. Bien, bien. Donc les amis, on va devoir aller. Là, on continue vers l'est. Hein. Il va falloir trouver ce fameux, cet homme qui a ce logo-là, le logo des assassins, du credo des assassins. Et s'il n'y en a pas pour un coller, pour capturer. Ah, c'est une épreuve de chasse. D'accord. Ok, moi ça, c'est une quête annexe. Avec votre lame secrète, je l'ai même pas. Bien. On est plus très loin, je pense. 44 minutes, ouais, on a le temps. On va faire cette mission et s'arrêter ici. Moi, comme ça nous met directement dans le bain. Je suis étonné qu'on n'ait pas encore Desmond. Je suis très étonné. Normalement, là, ça aurait été le bon moment d'être en phase normale dans la réalité. Ouais, par contre, si je saute là, c'est la mort assurée. Bien. Alors, je me demande si je suis loin ou pas. C'est ce
une bonne question. J'ai pas trop envie d'ouvrir le menu inventaire, je préfère carrément savoir trouver direct le lieu. Bon, est-ce que... Ouais, il y a un... Parfait. Ça, c'est une sorte de point d'observation, donc ça va m'aider. Et saute! Oh merde! Ouh, quel con! Aïe. Pourquoi elle va sauter? Ah, purée, ça m'arrive. Ça m'arrive pas mal de fois, ça. Parce que connerie, là. Bon, reprenons. Et quel con, quel con, quel con. Ah, il m'a remis tout en bas, ok. Comme si j'ai fait le saut, pourquoi pas. Ah, eux, c'est des ennemis. Je le trouverai, ce fameux symbole. Puis apparemment, cet homme a sauvé ma mère. Apparemment. Il risque de nous en apprendre beaucoup, je pense. Alors, normalement, je peux grimper. Ouais, voilà. J'ai vu qu'il y a pas mal de fissures. Et vu que notre jeune ami est plutôt agile, ça tombe parfaitement bien. Bon. Ah, je cache pas que là, c'est plutôt long, mais bon. J'ai envie de dire, c'est un peu cool. Mais attends, par contre... Ah, si j'ai fait ça pour rien, j'ai la mort. Ah, il se fout de ma gueule. Ah, le bâtard, j'étais... Putain, je fais la marche pour rien, quoi. Ça, c'est con, par contre. C'est dommage. Je suis déçu. J'y étais presque arrivé en tout cas, les amis. Mais je suis déçu, sérieux, un voyage rapide pour ça. Je sais pas, ça faisait côté aventure quoi. Je sais pas. Ils auraient pu le garder. Moi pour le coup, j'aurais pas fait un voyage rapide pour ça. Pour les autres, oui, mais pas pour ça. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On a toujours encore un peu de temps, les amis, pour faire la mission. Allez, peut-être qu'elle va se déclencher direct la mission. C'est possible. Alors, me voilà au domaine. Bah, c'est parti. Ok, 500 mètres. Ok, là ça commence réellement. Ah, voilà, c'était B, c'était pas A, mais quel con. Ah, je suis vraiment un tarde, hein. Allez, 400 mètres, on n'y est pas loin. On va y arriver. Oh, un cheval carrément. Mais c'est génial. Hey, qu'est-ce que tu fais? C'est mon cheval. Allez, salut. J'aurai ta peau, maudit voleur. Allez, je me casse, salut trou de balle. Je lui ai volé son cheval. Salut. Bonjour, bonjour. Il doit être un de ces indigènes de la tribu. Bonjour les gars. Je commence très bien à être accueilli, hein. Décidément. Je vole un cheval. Mais bon, au moins comme ça c'est beaucoup plus rapide. Hein. Ok. Nous y voilà. Un manoir. Pourquoi pas? Ça va rappeler Luigi's Mansion, non, je sais comment. Allez. Un rustre. C'est parti. On m'a dit que vous m'entraînerez. Non. Fiche le camp. Je ne partirai pas.
Putain, alors lui... Sympa, hein. Fiche le camp direct, quoi. Sympa, c'est gentil. Ouais, bah c'est parti, je vais camper ici. Il faut un endroit pour camper. Valek. Le jour suivant. Et ouais, mais comment je vais le convaincre? Je devrais lui dire que je suis un gardien, que je suis le gardien de la pomme d'Éden. Mon village va être attaqué, voilà. Dis-lui ça, vas-y. Confiance en toi. Ah, il est sérieux? Il doit y avoir un autre moyen. Même d'entrer. Pas maintenant. Eh, hey, purée. C'est quoi de ce vieux? Dans ce cas, pourquoi pas la porte de derrière? S'il vous plaît, accordez-moi juste un peu de temps. Pardonne-moi si je n'ai pas été assez clair avec toi. Mes paroles t'ont peut-être perturbé. Mais comme je n'ai jamais eu l'intention de me tromper, je veux être précis. Fiche le camp de mes terres. Je vais grimper! Bah décidément, le vieux commence à m'énerver, hein. Bah en ce cas, je vais grimper. Je savais pas, mais je suis bon à l'escalade. Écoutez-moi, qu'est-ce qui vous fait si peur? Peur? Je te signale que je n'ai peur de rien. Encore moins d'un petit morveux suffisant comme toi. Oh, tu rêves de devenir un héros, hein? De sauver des pauvres âmes, et même le monde entier. Mais si tu continues, la seule chose que tu deviendras, c'est un cadavre. Le monde évolue, petit. Suis son exemple. Je ne partirai pas, vous m'entendez? Je ne partirai jamais. Attends un peu. Attends un peu, je vais camper au moins une semaine, tu vas voir. Il est embêtant, ce vieillard. Je ne m'avoue pas vaincu. Dans ce cas... facilement. Campon. C'est qu'un vieux fou. Ce sera facile. C'est ce que t'as dit l'autre fois. Mais j'ai perdu mon cheval et gagné un œil au beurre noir. Qui êtes-vous? Des gens dont les affaires te regardent pas. Gamin, tu feras mieux de filer avant de t'en mordre les doigts. Non. On t'avait prévenu, petit. Bah c'est parti, je vais vous massacrer, les gars. Tiens. Vous savez pas, mais dans mon village, je suis très très bon pour massacrer les gens. Regardez ce sauvage danser. Dégage. Tiens, je vous demande. Alors là, les gars, je commence vraiment à me gaver. Tiens. Tiens. Prends ça.
vous défonce. Pourquoi êtes-vous ici? Que venez-vous faire? Demande ça au patron. Tu travailles pour le vieux, toi? C'est ça? Peut-être que ça va te délier la langue. Oh. Impressionnant. Merci. On commence. Et puis, nous avons à parler. Tiens. Il veut enfin me parler, te retrouver Achille. Ah bah ça va être son nom. Tiens, il veut enfin me parler, c'est intéressant ça. Très intéressant. Il y a une belle baraque quand même, hein. Pas se le manquer. Belle baraque pour être tout seul. Pardon. Ce n'est rien. Cet endroit ne demande qu'à s'écrouler. C'est un miracle qu'il tienne encore debout. Mais toi, qui es-tu? Je m'appelle Radoen Gelon. Je vois. Eh bien, je ne vais même pas essayer de le prononcer. Maintenant, dis-moi ce que tu fais ici. On m'a dit de chercher ce symbole. Sais-tu au moins ce que ce symbole représente? Sais-tu ce que tu me demandes? Non. Et pourtant, tu es là. L'esprit a dit que... j'avais... Les esprits, ton peuple, harcèlent les assassins depuis des siècles. Depuis qu'Ezio a frotté la lampe. Ah, tu ignores tout de ce qu'est un assassin, n'est-ce pas? Tu ferais mieux de t'asseoir, parce que l'histoire que je m'apprête à te raconter va prendre un bon moment. Et voilà pourquoi les assassins ont pour mission de traquer et de tuer les Templiers. Parce que s'ils parviennent leur fin, les visions de ton esprit vont se réaliser. Alors je les arrêterai. Je ne doute pas que tu seras. Bien, j'ai quelque chose à te montrer. Et c'est parti. J'aurais pas dû faire cette mission, les amis. Oh, attention! Je ne plaisantais pas quand je t'ai dit que cet endroit tombait en ruine. Pourquoi vous ne le réparez pas? Oh, à quoi bon? Je ne dispose même pas des matériaux nécessaires. Achetez-les. Non mais tu m'as bien regardé. Tu m'imagines débarquer dans un magasin déballant ma bourse pour faire des achats? Oui. Pourquoi? Tu es si naïf. Waouh. Impressionnant. Par ici. Bon, la cam va bientôt s'éteindre, les amis. En tout cas, la vidéo commence vraiment à durer, là, ça craint. J'espère qu'elle va bientôt se finir. Waouh. C'est impressionnant. C'est une belle salle de combat, ça. Ne crois pas qu'il te suffit d'entrer ici et de revêtir ses habits pour devenir un assassin. Je n'aurais pas osé. Non, je comprends. Cette tenue a une certaine allure. Très bien. Je vais te former. Et nous verrons si tu es digne de la porter. Merci. Achille.
Bien, suis-moi. Nous avons fort à faire. Tu n'es rien. Un grain de poussière, toi et toute ton espèce. Vous vivez comme des bêtes, sans vous soucier de comment tourne le monde. Que veulent les Templiers ? Ce qu'ils ont toujours voulu. Le pouvoir. Les colonies offrent une vraie opportunité. La possibilité de nouveaux départs, libérés du poids du passé. C'est pour cela qu'ils soutiennent les Anglais. Ici, ils ont la chance d'illustrer les mérites de leurs croyances. Tout un peuple au service de l'ordre et de la discipline. J'ai vu ce qui allait arriver s'ils y parviennent. Ils doivent mourir, n'est-ce pas ? Jusqu'au dernier. Même mon père. Surtout ton père. Il est la clé de voûte de leur organisation. Un rustre, et voilà. C'est terminé. Comme ça, on peut s'arrêter ici, les amis. Épisode un peu plus long. Désolé, franchement, là, j'aurais été vraiment dans le maximum. Désolé. Ce type de jeu, je m'attendais pas que ça allait être aussi long. Je me suis entraîné. 6 mois plus tard. À courir, à grimper, à combattre, à tomber. Et pour chaque leçon destinée au corps, il y en avait deux consacrées à l'esprit. Langue, philosophie, logique, les arts. Achille m'a tout appris sur les assassins et les Templiers. Leur organisation, leur origine et leur but. Des siècles d'histoire résumés en quelques jours. Je lui ai parlé des hommes qui avaient brûlé mon village, de Charles Lee et de la promesse que je lui avais faite. Achille m'a expliqué que Lee et ses hommes étaient tous des Templiers, et que leur chef n'était autre que mon père. Si je devais servir l'ordre, ces hommes deviendraient mes cibles. Alors j'ai redoublé d'efforts et de hargne. Mais malgré tous mes progrès, j'ai compris qu'il me restait encore beaucoup à apprendre. Ma formation ne faisait que commencer. Donc voilà les amis, on s'est arrêté ici, en espérant que ça vous aura plu, cet épisode numéro 4 de notre aventure sur Assassin's Creed 3. Merci à regarder, bye bye! Come on, 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 come on